Coucou. Comment vous allez? Alors, désolé pour hier, hein. Désolée vraiment pour hier. Vous allez bien? Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on raconte ici? Ouais, je vais bien, je vais bien. J'étais un peu fatiguée, mais ça va. Nous sommes encore là ce soir pour le bachelor, comme vous le savez très bien. Et hier, on a eu un problème. Donc, j'ai pas pu faire mon défi. Je suis sincèrement désolée. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode de samedi? Vous avez aimé l'épisode de samedi? Dites-moi. Ouais, moi je vais très bien. Je vais très très bien. Ça va. Je me plains pas. Par la grâce de Dieu. Vous attendez à voir quoi samedi? De la nouvelle. Et si c'est le respect, on commente avec respect. Si tu commentes pas avec respect, bah on t'enlève tout simplement. Yaya, s'il te plaît, tu peux envoyer ta demande. Je viens te voir là. Envoie-moi ta demande, s'il te plaît. Yaya? Autorisé. Il faut accepter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Eva. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça va. Tu me tutoyais. Ça va aussi. D'accord. Non. Je suis fière d'être avec toi ce soir. Hier, je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu monter. Vraiment, je suis désolée. Exactement, c'est compris. C'est D'accord, ça ça. va? Ça Ça va va? bien. Ça va bien, je... Un autre Yaya, la fameuse Yaya. Je suis là. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer au bachelor? Bon, déjà pour avoir une expérience télévisée Ouais. et en trouver l'amour comme tout le monde, je pense. Ouais. Et c'était ta première expérience? Bon, je faisais des pubs, mais c'était pas aussi célèbre que ça. Mais en tant qu'expérience, je peux dire que c'est ma première expérience. Ouais, tu as fait quoi d'autre quand tu dis que tu faisais depuis Non, des pubs. Genre juste des des pubs. pubs, mais ce n'était pas Ah, aussi des célèbre que publicités. ça. Ah, Oui, ce d'accord. n'était Et pas tu as aussi célèbre. fait. D'accord. Et tu as fait quelle publicité par exemple? C'est passé où? Juste au Sénégal ou Au partout? Sénégal, j'ai fait deux pubs de jus, l'un Tampico et sept, deux pubs de boisson. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a annoncer que tu étais sélectionné pour participer au bachelor. Bon. Au début, je n'y croyais pas, mais après, je me suis dit que je le mérite vraiment et que c'était ma chance, que Ouais. je devais tenter.
trouver l'amour. Et tu penses que qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on te choisisse? Je pense que mes qualités et j'ai réussi aussi le casting, donc c'est pour ça, je pense que. Mais surtout avec mes qualités et tout. Quelles sont tes qualités? Bon, je peux dire que je ne suis pas trop sociale, mais je suis gentille quand même. Même si les gens disent le contraire, je suis très gentille. Et pas trop sociale quand même. Je ne suis pas trop sociable, mais ça fait partie de mes défauts et tout, mais j'essaie de travailler là-dessus. D'accord. Et tu peux nous parler de toi? Bon. De toi, de ta vie, de tes projets. Qui est Yaya? On veut connaître Yaya en fait. Bon. On peut dire que Yaya, c'est une jeune de 21 ans, étudiante en deuxième année en gestion des entreprises. Et je fais d'autres projets actuellement, mais bon, ce sont en cours en fait. Je ne pourrais pas les annoncer actuellement, juste après encore. D'accord. Et le bachelor t'a apporté quoi? C'est grâce au bachelor que tu as ces opportunités ou c'est avant le bachelor? Qu'est-ce que le bachelor t'a apporté comme opportunité et tout? Bon, je pense que c'est avec le bachelor que les opportunités ont commencé à venir parce que j'ai déjà un contrat, mais ce n'est pas encore clôturé parce qu'on est en train de discuter là-dessus. Mais je peux dire que c'est à cause du bachelor qu'ils m'ont vu là-bas pour me contacter. Donc, je dis ça. D'accord. Et le premier soir, tu as ressenti quoi quand tu es descendu de la voiture? J'étais très stressée, d'autant plus que je devais danser et tout. Je me disais que est-ce que je serais à la hauteur. Donc, c'était pas facile pour moi, franchement. J'étais tellement stressée que Et voilà. quand tu vois le bachelor, est-ce que ton stress il descend ou alors le stress remonte encore plus? Je suis plus stressée parce que je me dis que est-ce que je vais lui plaire, est-ce que ma danse va lui plaire et tout. Donc, je suis plus stressée. Mais à un moment, il nous a souri, il nous a bien mis à l'aise et tout. Donc, ça va quand même. Ok. Et après, quand tu rencontres des filles, comment ça se passe? Est-ce que tu as aimé la première soirée? Qu'est-ce que tu as pensé du premier soir? Bon, franchement, pour la première soirée, j'ai tellement aimé et tout. On était à l'aise, on s'est vite familiarisé et tout. Donc, je ne voyais pas de problème pour la première soirée. Et tu t'es le plus attendu avec qui? Avec Barbara Ouais. et avec les autres filles, mais plus avec Barbara quand même. D'accord. Et ok. Et après la première cérémonie de la rose, quand tu reçois la rose, qu'est-ce que tu ressens? Tu te dis quoi? Voilà, je me sens tellement soulagée, je me dis que c'est le début de l'aventure et ça montre vraiment qu'ils vont continuer l'aventure avec nous Ouais. et je devais faire plus d'efforts pour pouvoir le conquérir. D'accord. Et tu échec. Désiré, renvoie un peu ta demande, désolé. Désiré, renvoie un peu ta demande parce que je t'ai accepté. Après, on m'a dit échec. Ok. Et donc, ensuite, tu as ton premier date. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce date-là, particulièrement? Comment tu t'es senti? Bon, franchement, j'étais tellement à l'aise pendant ce date. Ouais. Je me suis donné à fond pour un peu animer le date, mais bon. Je me suis Non. donné à fond quand même. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai aimé. Ok. Ça fait partie de mes meilleurs moments quand même. Okay. Et maintenant, tu peux nous parler de ta situation avec Barbara? Bon, Désiré, le s'il te plaît, problème. tu peux renvoyer ta demande? Le problème commence quand je reviens de date et je trouve les filles dans le salon. Et elles me disent que Barbara a dit derrière toi que tu méritais pas de. T'avais pas ta place ici et que tu devais jouer à la poupée. Et je pense. Et voilà. Et les problèmes ont commencé. Et elle a dit pendant le confessionnal que tout ce qu'elle dit, c'est parce qu'elle le pense vraiment. C'est ça ce qu'elle a dit. Donc, j'étais déçue parce que je me disais que si c'était une autre personne, j'allais dire que peut-être on n'était pas proche que ça. Sûrement, elle a réagi ainsi, mais je ne peux pas concevoir une amie qui se dit que ta jumelle ou ta sœur te poignarde dans le dos. Ça, je ne peux pas concevoir ça. D'autant plus qu'on était proches. Alors que c'est elle qui devait prendre ma défense quand les autres parlaient du mal. Et c'est tout à fait le contraire. Mais après, elle est venue te demander les excuses.
Tu penses que ces excuses étaient sincères ou alors pas du tout? Non, je pense que c'était juste pour les caméras parce qu'elle m'a demandé les excuses. Et je lui ai excusé, on est passé à autre chose. Après, elle est partie dire à la prod que je lui ai demandé pardon d'avoir menti. Pardon. Que je lui ai demandé pardon d'avoir Bonsoir menti et que Désirée. je vous appelle. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Aya. Coucou Désirée, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va? Alhamdoulilah. Ok. Peux-tu Bon. continuer, Yaya? On t'écoute. Bon, après m'avoir demandé pardon, j'ai passé à autre chose. Maintenant, Ouais. elle est partie dire à la prod que c'est moi qui lui ai demandé pardon d'avoir menti et que j'ai créé ça sur mon coup de tête et que j'étais juste énervée. Et comment tu as su qu'elle a parlé de ça à la prod? C'est la prod même qui me l'a dit. On m'a Ah. appelé pour me dire est-ce que tu as demandé pardon à Barbara, etc. Parce Ouais. qu'eux aussi, ils devaient avoir des choses claires sur moi. J'ai dit non, c'est pas moi qui lui ai dit ça. Et là, je me dis que franchement, ces excuses n'étaient pas sincères. Ok. Okay. Raison pour laquelle tu... C'est ça, ce que la production t'a dit, c'était avant ou après que tu aies dit au bachelor que Barbara avait un partenaire. Pense que c'était avant, si je me rappelle bien, c'était avant. Et Ok. après, voilà, je n'ai pas regretté. Jusqu'à Donc, présent, je ne regrette pas. tu ne regrettes absolument pas d'avoir parlé de ça au bachelor. Absolument rien, je regrette. Ok, on va aller chez Désirée. Bonsoir Désirée. Coucou, Comment comment? ça va et toi? Ça va. M'écoutes? Oui, je Ok. t'entends. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a sélectionné pour participer au bachelor et pourquoi tu as décidé de participer au bachelor? Bah, j'ai décidé de participer au bachelor pour enfin, rechercher l'amour et l'opportunité s'est présentée à un moment où justement j'avais rien à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y avait des craintes sur le fait de faire ça à la télé, mais bon, je me suis dit que c'était une opportunité autant pour moi. Et je l'ai saisie. Ok, qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a sélectionné, quand on t'a dit, oh ouais, tu fais partie des gens qui vont participer à cette aventure-là? Bah, j'étais contente. J'étais contente, mais aussi un peu dubitative, parce que je me disais qu'est-ce que les gens autour de moi vont penser, mes proches, les personnes qui me suivent, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça en fait? Ce n'est absolument pas quelque chose que je ferais normalement, ou que ces gens-là pensent que je ferais. Donc je me suis posé cette question-là, mais bon, Et il s'agissait de moi. qu'est-ce que tes proches ont pensé du fait que tu as décidé de participer au bachelor? Content, pas content. Chacun avait son avis sur la chose. Mon père ne l'était pas. Certaines de mes sœurs étaient contentes, d'autres pas. Mais tous mes amis, en fait, m'ont soutenu, m'ont dit qu'il y a une opportunité et tout. Donc. Ok, et tu peux nous parler de toi, qui est Désirée? Bah, Désirée, c'est une fille de 27 ans qui a fait des études de marketing. J'ai une licence en merchandising. Je suis fondatrice d'une association depuis 5 ans. Quoi d'autre? Je suis quelqu'un de jovial, de chaleureuse et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es descendu de la voiture? En descendant de la voiture, j'étais stressée. J'étais vraiment stressée en fait de voir le bachelor, qu'est-ce qu'il va penser de moi, est-ce qu'il va me plaire, et voilà. Et ça me revient, tu avais dit, j'aime bien ce que je vois. Quel est ton type d'homme? Le type d'homme qui t'attire? Qu'est-ce que tu aimes chez un homme? Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu chez le bachelor? Si c'était vraiment ton type ou tu étais un peu mitigé? C'est pas le type d'homme avec qui je sors. Je me contente pas du physique d'habitude parce que plus je les garçons, les hommes avec qui je suis sortie qui avaient ce physique-là étaient beaucoup plus aussi portés sur l'apparence. Les critères que eux recherchaient étaient superficiels. Donc je voulais bien plus. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas le type d'homme avec qui je sors, mais ce que je vois me plaît. Il est bien fait, il est bien sur lui. Et voilà, c'était tout. Maintenant, j'avais besoin de beaucoup plus. J'avais besoin d'apprendre à le connaître aussi, tout autant que lui avait besoin d'apprendre à me connaître. Et penses-tu que tu as eu assez de temps pour apprendre à le connaître ou pas du tout? Tout s'est arrêté très vite ou
Pas du tout. Ce que je sais de lui, c'est peut-être par rapport au date qu'il a eu avec d'autres, ce qu'elle venait raconter. Mais lui et moi, on n'a pas vraiment eu de moment. On a parlé une seule fois et une semaine avant mon départ à la forêt de la Rose. Rien. Et tu t'attendais à avoir un bachelor de la même nationalité que toi, ou tu voulais quelque chose de différent? Je m'attendais pas à avoir un bachelor de la même nationalité que moi. Et je recherchais justement quelque chose de différent. Je voulais quelque chose qui venait d'ailleurs. Parce Ouais. que déjà, que ce soit un bachelor qui vient du Cameroun, je me suis dit, eh, peut-être elle va me connaître. J'ai fait des concours, je suis sur les réseaux. Donc, est-ce qu'il aura un a priori sur la personne que je suis? Bizarre ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé de la première soirée? Bah, Comme quand tu as vu les filles, qu'est-ce que tu est-ce que tu étais encore plus stressée ou relax? non, je n'étais pas stressée par les filles. La soirée s'est bien passée. Le premier soir, enfin, pas le premier soir, parce que la soirée là-haut, c'est pas le premier soir, mais bon. Quand j'ai rencontré les filles, j'ai matché avec une directement. Sinon, je suis quelqu'un de réservé à la base. Donc, c'était un peu difficile avec les autres filles le premier soir. Mais au fur et à mesure de passer du temps à la maison avec elles, ça s'est plutôt bien. Enfin, avec la plupart des filles, ça s'est plutôt bien passé. Et tu as matché avec qui? Le Mazarine. premier soir. Mazarine. Mazarine. D'accord. Et quelle est l'épreuve que tu as le plus appréciée? C'était la première épreuve, le parcours commando. Tout simplement parce que j'ai gagné, donc j'étais contente de rentrer dans la compétition et de gagner le premier, enfin le premier date, même si c'était un date de groupe. Et je me rappelle que tu as dit à un certain moment dans l'aventure que tu es fatiguée de faire du sport, de conquérir pour avoir juste un Bah. date. Oui, justement, parce que tous les dates que moi j'aurais pu avoir avec lui, il fallait en fait que je passe par des épreuves qui étaient toujours des épreuves sportives. Il a eu plein de dates avec d'autres filles qui n'ont pas eu à faire les mêmes efforts. Il a voulu rencontrer ces filles-là, c'est très né à passer par là. Donc, à un moment, oui, j'étais lasse de tout ça. D'accord. Et Aya, Oui. qu'est-ce que tu as le plus aimé? Quelle épreuve tu as le plus aimé? Moi aussi, j'ai aimé le parcours commando parce que voilà, là, je me suis donné à fond. Et tu Pourtant, as puisque gagné? j'aime pas le sport, mais voilà, là, je me suis donné à fond, bien vrai que je n'ai pas gagné. Mais bon, mais je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu le date avec Claire, parce que d'après lui, il a dit que j'avais fourni des efforts, donc je méritais un date. C'est ce qu'il a dit. Donc, Et voilà. Désiré, si tu avais été à la place de Yaya, aurais-tu fait ce qu'elle a fait à Barbara? Estime que c'était légitime à cause du fait que Yaya les traitait de jouer aux poupées, qu'elle est encore trop jeune et qu'elle doit gérer tout. Que je vais pas ma place ici. Ça, c'est la vie. Okay. Bah, c'est sûr que je l'aurais mal pris, mais je n'étais pas à sa place, donc je ne sais pas. J'aurais pu, comme je n'aurais pas pu le faire. Mais après, je n'en veux pas, Yaya, c'est tout à fait légitime. Ok. C'est tout à fait légitime, oui. Et désirais-tu le plus entendu avec qui dans la villa? Mazarine, bien sûr, Linda, Samira, Zainab, on parlait tout le temps. Maïté aussi. Bibiana, parce qu'à un moment, j'ai vécu un petit drame familial. Donc, vraiment, c'est là que j'ai vraiment commencé à parler avec Bibiana qui m'a soutenue. Sinon, voilà. Le reste, on avait de bons rapports, sans plus. Et Yaya, c'était le bébé, c'est la petite sœur de l'aventure. Donc, oui. Ok, et en parlant de bon rapport, Johanna, pourquoi vous ne vous entendez pas avec Johanna? Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce qui s'est passé avec Johanna? Bah, le problème avec Johanna, c'est qu'elle n'assume rien. Elle n'assume Ouais. rien. Elle est noire, elle casse le sucre sur le dos des filles et elle n'assume pas. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des situations où elle dit des choses devant moi et maintenant, quand il faut le dire devant les autres, elle ment. Elle ment. Et toi qui étais avec elle, elle te fait passer pour la menteuse. Je ne suis Ouais. pas la seule dans l'aventure avec elle. C'était pareil. Il y a eu des moments où on a eu des conversations, même avec Clive. Où elle disait des choses. Enfin, en fait, là, je me suis dit, c'est une bénie, oui, c'est une personne qui n'a pas de personnalité parce qu'elle voulait être en accord absolument avec ce qu'il disait. Et quand il demande d'expliquer, elle n'arrivait pas à se perdre dans ses dires. Donc, sincèrement, ce n'est pas quelqu'un que je voulais avoir dans mes sommets. Sinon,
Voilà. Et maintenant, vous Même avez toujours les mêmes rapports ou c'est mort? le rapport est resté pareil, il n'y a pas plus de contact que ça. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais modifier, changer durant sur ton aventure? Tu aimerais changer quoi? Ou améliorer quoi? Ou tu regrettes rien? Ou ça va? Ça te plaît comme ça s'est passé? Je regrette d'être sortie tôt, ça Ouais. oui. Maintenant, j'aurais changé des choses si à un moment j'avais senti que lui aussi voulait quelque chose, si tu vois, il avait montré un peu plus d'intérêt pour moi. Là, j'aurais fait aussi beaucoup plus d'efforts. Parce que ce qui est clair, c'est que si on est là, en venant dans l'aventure, tu sais que tu as 19 autres femmes que tu vas te battre pour un homme. Ouais. Non, je ne vais pas me battre pour rien en fait. Oui. Si j'ai l'impression que oui, il a des coups de cœur pour d'autres filles et rien pour moi, pourquoi je vais faire ces efforts donc? Voilà, j'aurais changé les choses si les choses s'étaient passées différemment. Mais si l'aventure se représentait et qu'elle se passait pareil, il n'y a rien que j'aurais changé. Ok, donc tu penses qu'il n'était pas assez attiré par toi? Tu ne ressentais pas vraiment ce truc-là, ce petit truc? Oui, il n'y a pas vraiment eu d'accroche, d'attache, il n'y a pas eu ça. Donc. Voilà. Et Yaya, tu t'entends bien avec Johanna? Merci. Qu'est-ce que tu as eu comme situation avec Johanna? Pour mon cas, c'était hors des caméras. Hein. C'était hors des caméras. Donc, je pense pas que. Est-ce que je Non, peux tu dire peux en parler, vas-y, dis-nous. On veut savoir. Moi, de base, le jour où on a commencé à avoir des problèmes, c'est que moi, de base, j'ai des malades. Je suis malade. Donc, quand je manque d'air, je fais des crises. Donc, Ouais. ce jour-là, j'étais dans la chambre. Et je manquais d'air. Donc, je ne pouvais pas bouger et tout. Et là, il y a Johanna qui entre dans la chambre et me voit assise parce que voilà, je pouvais plus respirer. Elle ferme les fenêtres, elle tire les rideaux, elle ferme la porte et voilà, elle sort de me laisser là-bas seule. Sachant que je manque d'air et elle ferme la porte. Elle a tout fermé en fait. Je pouvais plus respirer. Il y a que Métier qui est venu pour me donner mon téléphone et elle trouve que j'étais en train de. Voilà, de faire une crise alors que c'est elle qui a fermé les portes et les fenêtres. Sachant que je suis malade à ce jour-là. C'est une sorcière, cette fille-là. Vous ne pouvez pas comprendre. Bref, il y a Barbara qui a dit que quand tu as dit à Clive ce que tu as dit, tu es montée dans la chambre quand elle pleurait et tu as demandé des excuses. Tu t'es excusée et que tu as dit que vous deviez rentrer ensemble si elle était éliminée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux nous en dire plus? Par contre, quand je l'ai vu pleurer, je Ouais. suis montée dans sa chambre parce que de base, je n'aime pas voir les gens pleurer, d'autant plus que c'était à cause de moi. Donc, je pars la trouver dans sa chambre, je la trouve en train de pleurer. Et là, je me suis dit, tu savais qu'on jouait à un jeu qui tôt ou tard allait blesser l'une et que voilà les résultats. Donc, je m'en excuse parce que ce qui s'est passé est déjà passé et tout. Et là, elle me dit qu'elle aussi, elle s'est excusée. On a passé à autre chose. La veille de mon départ pour le Sénégal, elle est venue me rendre visite à l'hôtel. On a parlé et tout. Donc, ça s'était bien passé juste après la diffusion de l'épisode 3. Sachant que les commentaires sont de son côté. Et là, elle commence à le sujet. Elle dit du n'importe quoi. Sachant que elle-même, elle a dit qu'elle a passé à autre chose. On se faisait des appels d'une heure de temps quand j'étais au Sénégal. Donc, je vois plus le problème. Sincèrement, je vais plus le problème. D'accord. Bon. On va parler de quoi d'autre là? De Désiré encore. On va revenir chez toi. Et quand tu as été éliminée, quand tu n'as pas reçu la rose, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu t'attendais à ne pas recevoir la rose? Un peu, vu qu'à ce moment-là, j'avais déjà réalisé que. Il ne m'accordait pas de date, ni rien, on n'évoluait pas. Donc, ça m'a pas surprise plus que ça. Mais non, je l'ai dit hier, j'étais déçue que certaines personnes en fait restent dans l'aventure et que moi je parte avant ces personnes. Ça, oui, mais sinon. Ouais, j'imagine. Et Yaya, quand toi tu n'as pas reçu la rose, tu t'es pas dit c'était le karma? Non, sincèrement, j'avais même oublié cette histoire en fait.
que je vais Sérieux? laisser ça derrière moi. Tu n'as pas Et... pensé que le dieu que prie Barbara était très fort? Non, je me suis juste dit que peut-être c'est le destin et que c'est comme ça en fait. Et déjà, je m'attendais même à recevoir une rose et voilà, ça s'est passé ainsi. Et tu n'as Franchement, je pas m'attendais. voulu, tu t'es pas dit, bah, si j'avais l'opportunité de changer quelque chose, j'allais le faire. Non. C'est ton aventure. Déjà, comme vous voyez, il y a même Claire qui a dit qu'il a adoré ma franchise et tout. Donc, je ne vois pas le rapport où je devais changer mon comportement. Et pourquoi tu n'as pas salué le bachelor quand tu es sorti? Tu étais tellement fâchée. Non, je n'étais pas fâchée. En fait, je ne voulais pas craquer devant les gens. Donc, j'ai préféré en fait partir sans parler. Tu avais déjà Parce des que. sentiments. Tu avais déjà des sentiments pour lui parce que je me rappelle lors de la cérémonie, les filles te disaient tu es amoureuse et tout et tout. Non, je n'étais pas amoureuse, mais j'étais attirée par lui. C'est ça ce que j'ai dit. J'étais attirée Ah, donc par c'était son. ton crush. Pas tellement, mais j'étais attirée par lui quand même. Ok, Pas tellement. et Désiré, c'était ton crush? Tu étais attirée par lui? Non, 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 on n'a pas pu arriver jusque-là. Non. Maintenant, on va passer aux questions du public. On va voir, je vais regarder. Alors, les amis, vous avez des questions pour Désiré et Yaya? J'attends voir les questions. Et particulièrement, vous vous attendiez à l'élimination de qui dans l'aventure? Vous auriez aimé que ce soit qui soit éliminé samedi? Vous-même. Bon, ok. Je pense que ça se cache pas. Moi, pour moi, c'était Joana. Moi aussi, c'est Joana. Ok. Maïté. N'y a pas Maïté ce soir, s'il vous plaît, les amis, posez des questions. Maïté n'est pas présente ce soir. Yaya, qu'est-ce que tes proches ont pensé du fait que tu décides de participer au bachelor? Bon. Déjà, avant ma mère ne comprenait pas bien le concept. Elle a juste su, après le tournage, que je lui ai expliqué le concept. Mais au début, elle n'était pas d'accord. Mais après, voilà, elle a adhéré. D'autant plus que c'est mon choix. Donc, elle ne pouvait que me suivre là-dessus. Et Désiré, le bachelor t'a apporté quoi comme opportunité, des contrats, tu peux nous en dire plus? Oui. Des contrats, plus d'abonnés, mais enfin, jusqu'à présent, ça ne change rien de mon quotidien. J'avais déjà des contrats, mais je sais que c'est le bachelor parce que c'est juste au moment où on a commencé la promotion de l'émission que j'ai eu plein, 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 plein d'appels pour de nouveaux contrats. Donc, Ok, trois positifs. Désiré. Ok, Miss Nord Cameroun 2019, 2020, 20. désolé, 2020 de Miss Cameroun, de Miss Nord Cameroun jusqu'à Bachelor. Après, tu nous réserves quoi? Je continue mes business, je continue ma course qui me tient à cœur, mes activités caritatives. Donc, je pense que très bientôt vous en allez voir. J'ai fait une semaine d'action caritative. Dans les prochains jours, en fait, ce sera partout sur mes pages. Après, vous, quelle fille a-t-il le D'accord. bachelor? On demande si nous sommes seuls. Non, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes je pense, de la même région. Elle est Yambassa, c'est Yambassa. Donc, vous aimeriez que. Non, on va pas, je ne vais pas poser cette question-là. Je ne pense pas que j'ai le droit. Mais bon. Je continue à régler les questions. Bon, qui vous voulez voir gagner? Je pense que quand même là, je peux poser cette question, je pense. Qui va Qui gagner? on veut voir gagner? Je pense que
Tu as envie de voir qui gagne, c'est ce qu'ils sont en train de demander en fait. J'aimerais voir qui gagne. L'une de mes bébés, tout simplement, elles sont plusieurs, donc Ok. voilà. Je pense que Et ça fait plus d'atomes crochus avec lui que la meilleure gagne. Ok. Et il y a un petit Congo ça là. Qui est en contact encore avec le bachelor? Moi. Yaya? Non, pas T'as avec pas, il lui. ne t'a pas contacté après rien? Non. Ok. Donc, je continue. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle candidate? On vous élimine, on vous enlève, vous trois, et on fait entrer une nouvelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ça à la télé? Vous vous êtes dit quoi, en fait? Vous avez dit. Qu'est-ce que vous. Haïti. Personnellement, personnellement, je ne la connais pas, mais je sais qu'elle va bien monter l'émission. C'est ça seulement que je vois. Non, mais toi, ton ressenti, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu vois une nouvelle fille entrer alors que toi, tu viens juste d'être. Ce jour-là, je me suis sentie mal parce que je me dis qu'on s'est lutté jusqu'à ce stade-là et il y a une nouvelle qui arrive à ce moment-là, mais bon. Et Après. Désiré, toi? Pas mal, bien sûr, mais je sais qu'il y a mes go qui vont rester. Elles vont la gérer, en fait, parce que j'ai l'impression qu'elle est arrivée pour remplacer l'une de nous. Donc, voilà, j'ai confiance en Mazarine. En tout cas, elle va gérer ce cas. Ok. Et vous pensez que durant l'épisode là, durant l'épisode où de compatibilité là, est-ce que les filles étaient réellement sincères quand elles répondaient ou elles répondaient en fonction du bachelor? Parce que c'est une question que j'ai en tête depuis. Vous voyez, pendant le jeu J'ai pas de. non, mais oui, il y a certaines qui, moi, pour moi, répondent en fonction. Voilà. Et d'autres, c'est sincère. Ok. Okay. Est-ce que vous connaissez la. Ouais, pas de questions de ce genre. Si vous ne posez plus de questions, on va clôturer. Hein. Pire. Est-ce que vous avez des favoris pour la suite de l'aventure? Moi, je regarde seulement. Tu dis? Je regarde seulement. Je suis pas de favori, sachant que voilà, on sait déjà ce qui se passe. Ok. Donc, tu penses qu'on va clôturer. Et ta situation avec Barbara, ça va rester comme ça? Des ennemis jusqu'à la fin? Ou tu penses que vous allez gérer ça comme des grandes filles? Bon, personnellement, je suis passée à autre chose. Sincèrement. Ok. Je suis passée à autre chose. En couple Chante. ou célibataire, Yaya? Actuellement, là, là, en couple. Désirée en couple ou célibataire? Très, très, très amoureuse. D'accord. Alors, je pense qu'on va clôturer là. J'étais fière d'être avec vous ce soir et j'espère que vous aussi. On a pu apprendre à vous connaître, même si on devait le faire la veille, on n'a pas pu le faire. Donc, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. Mais j'ai une dernière question. Quels sont les points positifs et négatifs que vous ont apporté le bachelor? Les commentaires, les messages? Est-ce qu'il y a plus de positifs que de négatifs? Quand on parle de vous sur les réseaux tout le temps. Pour moi, il y a pas de négatif parce que les commentaires qui revenaient, c'est pas d'effort, tu es trop distante, il faut plus essayer d'aller vers lui et tout. C'est pas du négatif parce que c'est clair que j'ai pas fait d'effort que ça. Donc c'est juste ce qui est. Sinon, donc voilà, les commentaires pour moi, je trouve pas plus négatif que ça. Après, on a dit. Tu étais déjà habitué à ça, c'est ça? Oui, j'ai connu pire, j'ai connu bien pire que ça. Ouais, ça c'est clair. Yaya, Moi, positif, négatif, vu que tu viens d'un pays assez strict. au début, c'était pas facile avec les commentaires et tout, mais j'ai constaté avec le problème de Barbara, les Sénégalais ont commencé à prendre ma part et tout. Pas tout le monde, mais il y a la majorité a pris ma part. Et je me dis que c'est nous qui avons choisi cette vie, donc on n'a qu'à assumer pleinement. D'accord. Et sur quelles raisons on peut vous suivre? Facebook, Instagram, TikTok, Snap. Vous pouvez donner les noms de vos réseaux. Moi, sur Facebook, c'est Désiré Babasagana-de8off. Sur Instagram,
Instagram, c'est Désiré Babasagana. Sur TikTok, c'est Désiré Babasagana. Twitter, Désiré Babasagana. Et sur Snapchat, c'est Sirène Noire, tiré de 8-1. D'accord. Et Ouais. Yaya? Sur TikTok, c'est Yaya Bachelor S2. Et sur Instagram, c'est Yaya NGR. Tiré du bas NGR, c'est le 2 que j'utilise. Et sur Snaps aussi, c'est Yaya NGR, le 2. D'accord, et TikTok? Yaya Bachelor S2. Ok. Alors, on va clôturer, c'est bon, on a fini. J'ai été ravie d'être avec vous ce soir et à la prochaine, on se fait plein de bisous. Vous passez une très très belle soirée Merci. et à Partagez. dimanche. Bisous. D'accord. Bisous. Bisous.